Salut tout le monde, on est en Bretagne aujourd'hui et on est parti voir un super site, un super spot où on va voir une ancienne friche industrielle qui a été complètement laissée à l'abandon. Donc on va découvrir tout ensemble en même temps. Voilà, je ne connais pas du tout le site, on n'est jamais venu et voilà, c'est parti et on va voir énormément de graffitis, de tags et plein d'autres choses magnifiques à voir parce que c'est aussi un spot très très connu pour le street art. C'est parti. We'll be right back.
c'est au XVIIe siècle, les constructions navales fleurissent dans la région. Mais au milieu du XIXe siècle, l'activité s'arrête et laisse place à l'industrie du bois, jusqu'en 1931. Par la suite, les différentes sociétés de scierie se succèdent, mais concurrencées par le plastique, celles-ci ferment toutes leurs portes, dans les années 90. Enfin, suite à plusieurs inondations par le canal dans les années 2000, le département décide de laisser la nature reconquérir cette friche et de préserver la ville des crues importantes. L'espace en devient un endroit naturellement protégé. Actuellement, ce spot est connu pour son street art qui a coloré les ruines. Le site il est super grand, donc ça c'est super. En plus il y a des super beaux dessins de street art, donc on espère que vous allez aimer aussi la vidéo et voir tous ces street art, parce qu'on aime l'urbex, ça c'est sûr, mais bon, trouver des spots on en a pas tous les jours. Cependant, voir des belles peintures de street art, ça on en trouve pas partout comme ça, donc ça fait super plaisir. On espère que la vidéo vous plaira et que la visite vous plaît aussi autant qu'à nous. On découvre avec vous.
Abonnez-vous. Ciao.